voilà. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Connectech Sénégal. Encore ma tête de vie. Bonjour. Bonjour, Seth. Comment allez-vous? Vous allez bien? Merci. Très bien. Bienvenue à Connectech. Merci beaucoup. Recevez nos internautes sur Connectech Mobile avant qu'on démarre. Bonjour, chers internautes. Bonjour. Vous êtes là aujourd'hui sur Connectech et bienvenue à Connectech. Merci, on va commencer par où? Aujourd'hui, nous sommes ici à Connectech Sénégal, qui regroupe Connectech Sénégal et Connectech Mobile. D'autres projets également. Et nous sommes avec eux pour une heure de temps non-stop. Découverte. Oui. Alors, suivez-moi. Nous sommes ici. Nous sommes ici dans la salle de réunion, on va dire, oui. Qui regroupe aussi la salle du responsable administratif et de l'équipe commerciale. D'accord. Donc c'est ici que nos collègues commerciaux sont basés. Exactement. Ils sont chargés de commercialiser tout ce qui est produit et services de Connectech Sénégal. Nous allons tout à l'heure découvrir les différents produits et services de Connectech Sénégal et de Connectech Mobile. Voilà. Okay. Alors, et vous êtes qui? Moi, je suis Sakhna Gaye, commerciale en solution digitale. Voilà, c'est ça. Vous êtes? Commerciale en solution digitale. Commerciale en solution digitale. Oui. Je suis avec... Vous êtes avec qui? Bien sûr, avec mon équipe. Oui. Qui va se présenter tout à l'heure. Mm-hmm. Un à un, et présenter en même temps les services qu'on propose. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est la salle de réunion. Et à côté, nous avons le bureau de service commercial. D'accord. Donc, comme vous voyez bien... On se met en exergue dès le départ, ouais, dans la salle, connect, avec un grand connecteur, mm-hmm, comme vous avez vu. Et pourquoi vous avez eu le choix de choisir le cas inversé, au début, le cas correct à la fin? C'est la différence. C'est la différence. Oui. C'est bien, donc nous sommes ici à Connectech et c'est la différence. Oui. C'est ça, voilà. La solution qu'il vous faut. La solution qu'il vous faut, vous, et qu'il vous faut également. Et voilà. Monsieur qui est en face de nous, ça, c'est mon collègue, c'est Monsieur Arthur Abou. Je vais le laisser faire une présentation et présenter aussi un service. D'accord. Monsieur Arthur, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci, monsieur Abou. Arthur, oui. Je suis commercial en solutions digitales à Connectech Sénégal. Très bien. Et personnellement, je vais vous présenter la communication digitale de Connectech Sénégal. On y va. Voilà. Parlant de communication digitale, on met en exergue tout ce qui est site internet, tout ce qui est référencement et tout ce qui est community management. Voilà, très bien, on va s'arrêter un peu pour définir ces concepts. Okay. Référencement, community management, développement de site web, ça veut dire quoi? D'accord, parlons déjà du site web, c'est votre représentation sur la toile internet. Mm-hmm. Une personne qui a son activité, on a besoin de savoir ce qu'elle fait, on a besoin de savoir où elle est. Mm-hmm. Il faudrait que cette entreprise ait une position réelle sur les plateformes, que ce soit Google, que ce soit Bing. Voilà, donc une personne qui a besoin de savoir ce que nous faisons, on part directement, on tape sur le net, mm-hmm, salon de coiffure. On a la possibilité de voir directement ce que l'entreprise fait, comment on peut la joindre et où est-ce qu'elle est située. D'accord. Directement, on se penche sur le référencement. Mm-hmm. Il y a plusieurs entreprises qui font tout ce qui est salon de coiffure. Oui. Comment se fait-il que moi, qui ai envie de me coiffer, lorsque je vais taper sur le net salon de coiffure, on puisse retrouver mon entreprise en première position? C'est ça qu'on appelle le référencement. Il se divise en deux parties. Mm-hmm. Que ce soit le référencement naturel ou le référencement payant appelé Search Engine Optimization. SEO. Oui. Tout à fait. Et nous avons également le SEM, Search Engine Marketing. Tout à Est-ce fait. Que vous pouvez nous expliquer un peu le SEO? Le SEO, Search Engine Optimization, c'est l'achat de certains mots-clés. Madame Gaye, mettez-vous là. Voilà. On va se mettre là, on va continuer ici. Ok, moi, tout à fait. Là, ce sont des termes très intéressants. Oui. Mm-hmm. Le Search Engine Optimization, c'est l'achat des mots-clés. On se met là, derrière la marque. C'est important. D'accord, c'est l'achat des mots-clés, mm-hmm, sur Internet. Venez, accompagnez-nous. L'achat de certains mots-clés sur Internet. Lorsqu'on évolue dans le temps, les mots-clés se déprécient au fur et à mesure. Mm-hmm. Alors, comment moi, qui ai envie d'être en première position, j'ai la possibilité d'avoir un mot-clé
supposons que je prends salon de coiffure Dakar. Bon, on va laisser les salons de coiffure, j'espère que vous allez vous voir ce soir. On va parler maintenant des sociétés d'informatique, par exemple. Okay. Je recherche par exemple un téléphone portable. Voilà, okay. On va utiliser ce. Ok, je recherche un téléphone portable. Très bien. Il y a plusieurs personnes qui vendent des téléphones portables. Ils sont nombreux, vous avez des concurrents à côté. Voilà. Tout à fait, voilà. Donc je vais parler de Connect Tech Mobile qui sera développé après. D'accord. Lorsque je viens sur le net, je tape Connect Tech Mobile ou je tape téléphone Samsung. Très bien. Lorsque je tape téléphone Samsung sur Internet, il y aura plusieurs offres, plusieurs entreprises qui vendent leur téléphone. Mm-hmm. Il y aura Connect Tech Mobile. Et ses concurrents. Et ses concurrents, oui. Tout à fait. Mm-hmm. Et lorsque moi, je suis en première position, je parle de Connect Tech Mobile en première position, mm-hmm. on parle là d'un référencement poussé qui permet aux gens de pouvoir cliquer directement sur mon nom. Mm-hmm. Et ça, c'est payant. Ça, c'est un référencement payant. C'est un référencement payant. Et le référencement naturel, ça se fait comment? Le référencement naturel, là, on ne paye pas les mots, mais on propose tout ce qui est activité de façon naturelle. On met des noms qui pourront pousser les moteurs de recherche à pouvoir savoir ce que nous faisons. D'accord. Généralement, ils ne se placent pas en première position, mais ils sont généralement à partir de la cinquième ligne au détriment des autres pages. Là, c'est le fait d'armer un peu le site. Pour qu'il soit dans les premiers résultats. Qu'on puisse le retrouver facilement. C'est ça, on travaille au niveau des référencements. À part les référencements, on fait également les applications mobiles. Oui, on fait tout ce qui est applications mobiles. Allez, je parle de nous des applications mobiles. Parlant d'applications mobiles, on met ça sur place après déjà un audit. Mm-hmm. On ne peut pas proposer une application mobile à une entreprise sans savoir ce qu'elle propose ou ce qu'elle veut faire. Après avoir fait l'audit sur mesure, de savoir ce qu'elle veut proposer à travers de l'application, on fait maintenant un devis qui propose des offres techniques et des offres financières. Adaptées au service. Et c'est vous qui faites les offres financières aussi, les commerciaux? Oui, mais on prend en fait tout ce qui est au niveau du dev, mm-hmm. tout ce qui est au niveau du service après-vente, et on essaie de matcher. Vous parlez de dev, développement, voilà. Excusez-moi du terme technique. Mm-hmm. Tout ce qui est au niveau développement, ils vont nous dire en combien de temps ils peuvent le faire, quelles sont les ressources financières, matérielles, humaines dont ils auront besoin. On va essayer de capitaliser ça et optimiser ça en fonction de valeur financière. Nous aussi, au niveau du département commercial, on va faire un suivi derrière. Lorsqu'il y aura tout ce qui est ressources ou problèmes au niveau technique, vu que nous sommes des technico-commerciales, on va aller voir ce qui se passe et si on peut régler les règles. Donc tout ça font partie en fait de l'aspect offre technique et financière. D'accord. Ce que j'aime bien dans votre organisation, c'est que le service commercial et le service financier sont dans le même sur le même point. Tout à fait. Ça, c'est pourquoi la raison. C'est pour que l'information circule rapidement. Bien qu'on ait des outils quand même, un outil digital, quand même, qu'on parle entre nous, qu'on propose des solutions de travail collaboratif, parce qu'on a une plateforme sur laquelle on échange entre nous. Donc tout se passe très très vite. Et après, le fait d'être ensemble, d'être dans une même pièce renforce cela. Oui, ça facilite la circulation de l'information. On va essayer de découvrir les autres départements avant de revenir sur les autres services. Merci beaucoup. On y va. Alors, on y va. Non, on y va, Madame Bey. Madame Bey va nous accompagner. Madame Guido, voilà. Madame Guido, d'accord. Madame Guido va vous présenter. Je vais vous présenter tout ce qui est matériel informatique et téléphonie. D'accord. On vous écoute, Madame Guido. Madame Guido, Madame Guido, allez-y pour compléter à chaque fois. Monsieur. On y va. Ok, bonjour à tous. Comme autre service de connecté, il y a la vente de matériel informatique et téléphonique. Par matériel informatique, c'est tout ce qui permet à l'entreprise de s'équiper en termes d'imprimantes, d'ordinateurs, bon, et bien d'autres choses. Matériel, pas téléphonie, tout ce qui est téléphonie, à travers sa plateforme Connectech Mobile, Connectech propose et met à la disposition de toute personne particulière comme entreprise des téléphones reconditionnés comme à neuf. Pas reconditionnés, ce n'est pas des téléphones de seconde main, je le confirme, mais c'est des téléphones qui ont été commercialisés par l'entreprise, ça s'appelle Samsung, iPhone, mais que le Connectech prend au niveau de l'entreprise et le met à la disposition du public à un prix plus plus bas. On va marquer une pause, je vais poser une question. Oui. Parce que
peut-être les autres se posent. Un téléphone non conditionné. Oui. Ça veut dire quoi? C'est ce que je viens de dire. Ça, a été, ça n'a pas été vendu par l'entreprise. Par quelle entreprise? Samsung. Samsung, mais Connectech va prendre au niveau de Samsung et le met à la disposition des clients. Mais c'est un téléphone qui n'a jamais été vendu. C'est ça. Qui n'a jamais été mis dans un circuit de distribution. Exactement. C'est ça? En fait, et pourquoi vous utilisez le terme reconditionné? Ça me paraît bizarre, non? En fait, pour parler de terme reconditionné, il faut dire que lorsque Apple, par exemple, fait sortir aujourd'hui l'iPhone 6, oui. Lorsqu'il fait sortir l'iPhone 7 après, il ne vend plus au niveau de sa case l'iPhone 6. Et nous, nous partons récupérer tous les iPhone 6 en fonction de notre partenariat avec Apple. On vient cette fois-ci revendre. Mais c'est parce qu'il y avait déjà un premier distributeur, mais qui était Apple. Et maintenant, nous venons. C'est ça qu'on appelle le téléphone reconditionné. Donc on le précise, ce n'est pas les téléphones secondes. Ce n'est pas secondes, c'est différent. Il y a une différence en fait. Que vous achetez à des prix bas. À des prix bas. Pourquoi à des prix bas? Parlez-nous des autres services, à part la téléphonie, vous vendez quoi d'autre? L'informatique. Exactement. Donc tout ce qui est ordinateur, imprimante, oui. Nous faisons aussi de l'infographie, carte de visite, plaquettes, brochures. Nous proposons un design suivant le besoin de l'entreprise et aussi tout se fait en collaboration avec le client en tout cas. Se fait en collaboration avec. D'accord. Bon, donc c'est un projet de Connectech qui est en place. Donc on a Connectech qui est dans la communication digitale, Connectech Sénégal. Et à côté on a Connectech Mobile. Connectech Mobile. Pour faire un résumé de ce qu'on vient de dire. D'accord. Après vous allez voir qu'on va parler d'autres projets. Que ce soit Conexpresso, Hewell, on va en parler plus tard. Connectech Mobile. Oui. Le stock est où? Ok, parlons des stocks, on a déjà un point, on a un point ici qui se trouve au niveau du plateau. Voilà où nous. Donc les produits sont disponibles à Dakar. Les produits sont disponibles à Dakar. Les produits sont disponibles à Dakar. C'est pas des produits qu'on va aller prendre aux États-Unis et revenir vous vendre ici. Les produits sont disponibles. Si ça passe comment tout de suite, vous livrez dans quel délai? 24 heures maximum. Maximum. Oui. Si on voit comment. 24 heures, c'est trop quand même. Maximum. Maximum. En fonction du produit. Parce que parfois, les produits, les clients veulent un produit, par exemple, peut-être, on va dire, rare. Ou... On ne peut pas avoir tout le stock là. D'accord. Là, on a le stock essentiel. Après, quand les produits les plus commandés sont disponibles immédiatement. Mais pour les produits spécifiques. Xmax, c'est en 12 gigas. C'est disponible. Très bien. Je vais m'asseoir donc avec mon ami qui est là. Et de l'équipe, lui aussi, qui est ses clients. Il est de l'équipe. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Il est dans l'équipe commerciale aussi. Exactement. Voilà, vous êtes technico-commercial. Oui, effectivement. Expliquez-nous le concept de technico-commercial. Bon, technico-commercial, il est autant technicien que commercial. Il n'est certes pas expert en technicien, en technique, ni expert en commercial, mais il est entre les deux. C'est extrêmement important. Il n'est ni commercial ni technicien. Il est autant commercial que technicien. Excellent. C'est différent. Ouais. C'est extrêmement important parce que si tu es commercial, tu dois pouvoir être capable de répondre à certaines questions techniques du client. Tout à fait. Et si tu es technicien, tu dois pouvoir comprendre ce que le client veut. Donc c'est extrêmement important, surtout dans le métier du digital. Ce qu'il dit est exactement vrai parce que si vous ne pouvez pas vendre des sites internet sans comprendre le langage du web, effectivement. Mais donc, raison pour laquelle dans ce secteur où nous sommes, on recrute le plus souvent des technico-commerciaux. Et vous ne vendez pas. Bon, je pense que mes collègues vous ont déjà présenté. Présentez-nous l'offre. Je vais vous présenter un peu tout ce qui est plateforme digitale. Plateforme digitale. Qu'est-ce que la plateforme digitale? Quelles sont les plateformes qui existent? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est une plateforme digitale? Il y a plusieurs types de plateformes digitales, mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ça s'appelle les ERP. Ce sont des logiciels de gestion. ERP. Oui. Ce sont des logiciels de gestion. Disons logiciels de gestion. ERP. Voilà. Oui, effectivement. D'habitude, on parle de digitalisation du processus et de centralisation des informations. Aujourd'hui, je travaille avec mon téléphone. Travaillez librement où que vous soyez. Avec mon téléphone CRM, j'ai ma base de données, j'ai mes prospects. J'ai mes comptes, mes clients, les entreprises avec qui je fais des affaires, les tâches, les événements, les rendez-vous, les appels que je dois avoir. On a digitalisé tout l'aspect commercial sur un logiciel. Donc je n'ai plus besoin de. Est-ce que vous l'avez développé?
Non. Mais ce sont des RP qui sont disponibles. Effectivement. D'accord. Mais suivant les besoins de chaque entreprise, on peut développer des RP. Actuellement, on est en partenariat avec certaines entreprises pour qui on est en train de discuter concernant certains logiciels de gestion qui sont très pointus dans les domaines qui sont très, très difficiles d'accès. Ça, c'est pour des tâches commerciales, pour un domaine très connu du public. Et vous vendez ça, le logiciel là, vous le vendez? Oui, on vend non seulement la licence, mais aussi on peut faire un paiement pour, qui est très abordable, c'est assez cher, mais on peut le rendre abordable aux entreprises PME qui sont... Moi, je vois que ce sont des choses dont nous avons besoin. Nous qui sommes dans la vente, savoir gérer la liste de ses prospects, savoir gérer sa base de mes clients, planifier les tâches. C'est un logiciel qu'il faut monter à ceux qui nous suivent, peut-être qu'il en bien sûr. A besoin. Bien sûr, c'est disponible chez Connectech et ça, c'est juste pour l'aspect commercial. Il y a plus de 40 applications qui peuvent vous permettre de gérer toute votre entreprise. Comptabilité, comptabilité, recrutement, RH, motivators, pour motiver la force de vente, tout. Il y a plus de 40 applications dessus. Donc, à Connectech, on est capable de, disons, digitaliser vos processus. Faire en sorte que vous travaillez librement où que vous soyez, avec moins de temps et optimiser encore une fois votre productivité. Très bien. Et le logiciel-là, il est dans les premiers lieux. On va faire ça. Voilà, je rappelle que nous sommes dans les locaux de Connectech Sénégal avec en compagnie de Madame Didou, de Monsieur Arthur, de Madame Bay et de Monsieur Mouy. Effectivement. Monsieur Mouy, voilà, il ne s'est pas présenté, mais j'ai lu son nom dans l'application. C'est personnel. Voilà, Madame. Ces contacts. Alors, pour arriver à Connectech Sénégal, nous sommes sur la Védène, sur l'immeuble Connectech. Normalement, au niveau du pont, vous allez toujours voir l'enseigne Connectech qui va se faire voir. Donc, je pense qu'on est très accessible aussi. Donc, les numéros de téléphone, je vais laisser. On va laisser les numéros, tous les contacts. Les numéros. Okay. Le numéro Expresso, d'abord, parce que vous travaillez Expresso, c'est exactement. Le numéro Expresso, 70 907 40. 77. Le fixe, bien. Le fixe, voilà. Dis-nous. Le fixe. On y va? On a le 33 867 31 30. 867 31 30. Et le numéro de téléphone mobile, le mobile. Donc 78 604 71 71. Bon, à partir de 69 69 jusqu'à Une partie. Mais pas tout, parce que c'est une équipe jeune et. Ouais, tu vois que l'équipe est très jeune. Donc, si vous voyez bien, on va vous laisser profiter aussi de la déco. Et. Madame, vas-y, on va le commencer à vous commencer. Oui. Monsieur Sek. Je vais laisser présenter. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, c'est Ivan Sek. Je suis développeur web. En même temps, je suis au plan sécurité et informatique. D'accord. Développeur web. Effectivement. Là, c'est les experts du développement. Oui. Quelles sont les missions de développeur web? Qu'est-ce que vous développez? Bon, le site web, pour mobile. Ça, nous faisons ça. D'accord. Madame Kay, est-ce qu'on peut voir quel site vous avez développé? Oui, bien sûr. Oui. On va voir ça de l'autre côté, déjà charité bien ordonnée, on peut vous montrer notre propre site déjà, voilà, qui a été développé par nous-mêmes. Voilà, connectech.sn pour tous vos besoins en communication digitale. Dès que vous tapez connectech sur le web,
Ouais, oui. Vous pouvez reconnecter Sénégal. D'accord. D'accord, okay. C'est ça. Donc, ça ressemble voilà. À ça. D'accord. On a plusieurs pages dessus. D'accord. Un site dynamique. Responsive design aussi, c'est-à-dire qui s'adapte à tout type d'appareil. Et pourquoi vous insistez sur le concept de responsive design? Parce que c'est important aujourd'hui. On a le téléphone par exemple à utiliser. Le client ne doit pas être contraint en fait. Il doit pouvoir utiliser un site par exemple, pouvoir voir normalement un site sur un téléphone, une tablette et un ordinateur. Avec la même configuration. Ouais. Exactement. Et donc aussi, on adapte par rapport au matériel utilisé. Et aussi, on ne nous apprend rien. Les statistiques montrent vraiment que ceux qui se connectent sur le net utilisent plus les téléphones, le mobile, que les ordinateurs. Donc, et même Google référence mieux les sites internet qui sont plus responsifs que ceux qui ne le sont pas. Donc, faire un site responsif, c'est un... Monsieur Sec, développer un site web, ça prend combien de mois? Ça prend combien de siècles? Non, ça prend deux semaines, ça prend un mois, ça prend un mois et quelques. Ça dépend de la contenu du site. D'accord. Du cahier de charge. Très bien. Ouais. Du cahier de charge du client. Oui. D'accord. Je sais qu'on vous laisse bosser. D'accord. Merci et bonne continuation. Merci. On a mis les développeurs. La direction générale, c'est apprendre à commencer. On devait commencer par la direction générale. Vous n'avez pas dit que vous êtes incorrect, mais je sais que. Non, ce sont les plus occupés. Ah, d'accord. Ok. J'espère qu'ils vont m'excuser. D'accord. On va continuer la discussion dans la salle de réunion. D'accord. On va découvrir les services de Connectech Sénégal sur l'écran. En attendant, on va écouter un peu de musique. Service. Est-ce que vous avez choisi Expresso parce qu'ils sont là à 2 mètres de chez vous ou bien chez vous? Bon,
on a trouvé que ce partenariat pouvait se faire et qu'on a trouvé des avantages par rapport à la demande. Donc un besoin qui est là sur le marché et qu'on a matérialisé. D'accord. Donc des offres qui se proposent, qui sont proposées, des offres de forfait et de téléphonie. D'accord. Donc là, sur cette plateforme, le client va avoir accès à, comme on a dit, des téléphones reconditionnés et neufs, comme on a expliqué tout à l'heure, et des forfaits à prix très intéressant, et des forfaits intéressants. Donc, soit de prendre les services à part, un produit à part, soit le forfait ou le téléphone, ou de les prendre en même temps. D'accord. Ça évite aux clients de pouvoir se s'éparpiller un peu, on va dire, de faire tout sur la même plateforme. Et les téléphones que vous vendez, ils fonctionnent seulement avec des puces expresso dans ce cas ou bien c'est quoi? Pas du tout, mais avec des forfaits qu'on propose dès le départ, en fait, avec expresso. Des forfaits expresso. Oui. Vous pouvez nous expliquer un peu les différentes solutions disponibles, les forfaits disponibles. Moi, j'aurais besoin de vos forfaits internet parce que je dépense beaucoup d'argent avec le concurrent d'expresso. Donc là, par exemple, on a... Bon, je connais. C'est ce que vous voyez là à l'écran? Voilà, c'est tout ça. D'accord, on y va. On a l'offre majestique, on va dire. D'accord. Composée d'un iPhone XS Max, 64Go, plus Joko Moi pendant 3 mois. Donc le tout, ça va pas être. Joko Moi, c'est quoi? Joko, c'est appel. Oui. Oui, Joko, c'est comme ce qui est notifié en bas, c'est 500 minutes pour les réseaux, qui s'appelle SMS illimité, WhatsApp illimité, 2 gigas d'Internet. Excellent. D'accord. Donc au lieu d'aller acheter un téléphone à part ailleurs, cher déjà, on a des prix très intéressants de téléphone, et d'aller acheter un forfait à part, vous pouvez tout faire sur la même plateforme. D'accord. Et l'offre? Et avec une possibilité de l'acheter aussi en ligne, de payer par les nouveaux moyens. Et le X marche à 700 000. Avec l'offre de 3 mois. Ce sont les deux combinés qui sont à 699,900. Le service et le téléphone. Oui. D'accord. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, oui. Voilà. Ça, c'est l'offre pour les cadres. Tout le monde peut mettre 700 000 sur un téléphone. Est-ce que vous avez des téléphones à 5 000 ou 10 000, 15 000 pour les autres? 5 000, non. Le téléphone, l'entrée de gamme. Je pense qu'il y a des Nokia qui ne sont pas très chers. Je pense que c'est 10 000 francs. On en a pour toutes les classes. Voilà, voilà, c'est déjà mieux. Il y a des segmentations. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout le monde s'y retrouve. Il y a des Nokia qui sont à partir des 10 000. D'accord. On peut voir un autre produit. Et là, je peux cliquer sur acheter pour acheter tout de suite. Oui. Sur le site. Et le paiement se fera comment? Soit à la livraison, par e-money. Par e-money également, c'est possible. D'accord, très bien. Ça, c'est intelligent parce que c'est un service de votre partenaire. Tout le monde aussi n'a pas le temps de se déplacer. On facilite les choses. D'accord. C'est des téléphones, c'est les neufs. Oui, tout à fait. Jamais oui, utilisé. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut voir un deuxième service ou un deuxième produit? Il est actuellement là, le site est en construction, comme je vous l'ai dit. Oui, ce sont les deux seuls qui sont actuellement. Mais sinon, vous avez la possibilité d'acheter des téléphones sans forfait. Oui. Je pense, vous l'avez dit tout à l'heure. Acheter un téléphone. Oui. Avec. Là, comme ça. Là, c'est différent de votre site. Quand oui, Connectec Mobile. On va voir d'abord ça, après oui, vous expliquer l'offre de Connectec Mobile. Okay. Moi, c'est Connectec Mobile qui m'intéresse plus. Hein. Okay. Donc, il a un téléphone de 28 500. Oui, 28 500. Ah. Oui. Donc, tout le monde s'y retrouve. Il y a aussi le téléphone de 11 000. Oui, voilà. Ce sont des petits téléphones qui vous intéressent. Mais avec ça, on ne peut pas entrer sur Connectec Sénégal pour informer. Non. On est dans l'ère du digital. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on facilite le paiement. Donc, il y a des possibilités de payer par tranche. Alors là, c'est un projet. Parce que, on va dire qu'au Sénégal, quand même, ce n'est pas aussi facile, mais c'est un projet. Avec. Vous connaissez Baobab? Non. Vous ne connaissez pas Baobab? Ils ont une application qui permet de bloquer le téléphone si le client ne fait pas. D'accord. Ils sont tout prêts. Là, je salue Wally Diouf en passant. Donc, ils ont des applications qu'ils installent sur le téléphone que vous vendez au client. Et le téléphone, si le client, si toutefois, il ne fait pas, le téléphone se bloque. Ah, c'est super ça. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est déjà ce qu'on est en train d'étudier. D'accord. Voilà, très bien. On y va pour le service suivant.
Bon, on va aller vers Connectec Mobile. Voilà, Connectec Mobile, on va découvrir Connectec Mobile. Donc, je pense que là, tout le monde reconnaît le site un peu partout sur le cas. Ouais. On a fait pas mal de campagnes quand même sur rapport à Connectec Mobile. D'accord. Oui. Et là, vous ne vendez que des téléphones. Donc, ce n'est pas comme un concurrent qui est abonné encore, qui fait tout. Tout à fait, mais voilà, nous sommes orientés, voilà, téléphone. Oui, oui, c'est ça aussi, il faut se spécialiser des fois, oui. Mais l'avantage avec Connectec Mobile, c'est que le paiement par échelonnement qu'on propose, c'est qu'on permet au client de verser un compte, il a déjà, on garde le téléphone pour lui, et une fois qu'il a soldé en fait la somme, on lui remet maintenant le téléphone. Ça, c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité qu'on offre particulièrement parce que souvent, il y a des personnes qui ont une petite somme et ils veulent toujours avoir le téléphone. Donc, on fait un contrat sur mesure et on dit que la personne a déposé telle somme pour tel téléphone. Mmh. Et lorsque la personne viendra solder toute la somme, on remet le téléphone à la personne. Mmh. Voilà, d'accord. Ça, donc, si vous n'avez pas suffisamment de disponibilité de liquidité, vous avez la possibilité de venir verser votre argent auprès de Madame Gaï. C'est Madame Gaï. Oui, c'est Madame Gaï. Ou bien sur le compte e-money de Connectec. J'espère que vous avez un compte e-money. Voilà. Avec donc vous allez appeler madame sur les numéros qu'on vous a donné tout à l'heure. Et donc vous déposez votre argent, vous déposez, vous déposez, vous déposez. Si vous avez 25 francs, venez. 100 francs, venez. 10 000, 15 000, 100 000. Jusqu'à ce que la somme soit rassemblée. Et on vous livre. C'est possible. C'est oui, ça. Bien possible. Très bien. Tout mais tant que la somme. Tant que c'est pas possible. Tant que c'est pas possible. Tant que c'est pas possible. Vous avez su écouter entre les mots. Voilà. Et je vois là, je vois deux prix. Il y a un prix qui est barré en noir et un prix rouge. Oui. Vous êtes en promo ou quoi? En fait, il faut dire que les prix que Connectec Mobile propose sont les prix relativement plus bas. Mm-hmm. Les prix en noir sont les prix normaux sur le marché. D'accord. Voilà. Donc, mm-hmm. On propose au prix rouge les prix promotionnels de Connectec Sénégal. Une sorte de vente privée, en voilà. Fait. D'accord. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si on clique sur « Je commande » ? Voilà. Lorsqu'on clique sur « Je commande », on trouve les caractéristiques du téléphone. D'accord. On voit le prix et on peut cliquer sur la quantité du téléphone qu'on veut. Mmh. Si je veux, voilà, 1, 2, 3, je clique dessus, je remplis. Très bien. Voilà, je mets mon nom, mon prénom et mon email de téléphone. Et dès que vous remplissez ces coordonnées, vous choisissez le mode de paiement. Soit paiement à la livraison, par Orange Money, par Wally, par Johnny, ça dépend. Et vous validez. Et une fois validé, il y a un membre commercial qui vous appelle dans les temps qui vont suivre, les minutes qui vont suivre pour valider l'achat. D'accord. Et dans les 24 heures, vous allez jouer votre téléphone. Parce que là, après validation, vous recevez automatiquement un mail ou un message pour dire qu'un commercial ou quelqu'un de Connectec vous appellera pour prendre. Parce que là, déjà, la commande est enregistrée. Donc, on vous rappelle dans les 24 heures pour la livraison. D'accord. On va parler de réseaux sociaux. Vous offrez également des services aux entreprises, tout à fait. Aux particuliers, aux hommes politiques. Est-ce que vous avez des clients politiciens pendant la campagne? Est-ce que vous avez géré l'image numérique d'un candidat? D'un candidat. Non. On n'a pas voulu entrer dans ça. C'est un peu délicat. Mais c'est un service. C'est un service. On ne vous demande pas de faire de la politique, mais vous pouvez quand même vendre l'image d'un homme ou d'une femme politique, même s'il n'est pas candidat à l'élection. Oui, c'est vrai. Vous proposez seulement des solutions aux entreprises, vous avez des pages que vous gérez pour le compte de structure. Oui, tout à fait. Et ça coûte cher? Pas du tout, c'est très accessible. Hein. Mm-hmm. Très accessible. Parlez-nous comment ça se passe, les gens ont besoin de savoir, peut-être qu'ils viendront. Oui. Ok, et... ça c'est le service Community Management, c'est-à-dire la gestion des pages sur les réseaux sociaux. D'accord. Vous avez besoin d'avoir une visibilité, vous avez besoin de savoir que les personnes sachent que vous êtes là, vous nous confiez votre page web, ou du moins votre page Facebook. Dans ce cas, avant de vous proposer une offre technique, on fait l'audit. Toujours l'audit. Toujours l'audit, précédemment, ça c'est clair. D'accord. On doit savoir qu'est-ce qu'on doit vous proposer, on doit connaître vos attentes. Mm-hmm. Voilà, et après avoir fait cela, on revient encore vous faire une offre technique et financière. Oui. Voilà, après cette offre-là, vous aurez dans votre boîte mail, vous aurez le devis et vous pourriez dès lors maintenant nous faire appel pour qu'on puisse commencer le service. D'accord. Et il faut dire que le service Community Management est un service mensuel mais qui s'entretient sur au moins 3 mois. Parce qu'il faudrait que vous ayez des retombées. Si vous le faites sur 1 mois, ce n'est pas fort probable que vraiment des personnes puissent vraiment être habituées à vous. Donc on vous propose au minimum 3 mois.
et on gère votre page, on est administrateur de votre page, on booste votre page, on monte, on fait les créas aussi dans le boost, dans booster, booster, c'est quoi booster, booster c'est, ma page. Voilà, booster c'est donner des ailes. Tout à fait, donner des ailes. Et ma page va s'envoler. Exactement. De personne à personne. Et atteindre les objectifs. Très bien, très bien. Et booster, ça, c'est cher ou bien c'est gratuit? C'est gratuit. Mais moyennant quelque chose. Donc c'est payant. Non. Vu le rapport qualité-prix qu'on offre, je vais bon, on va pas, on ne va pas voir les pages des clients, mais on va voir la page, la page de Connect Mobile. Voilà, vous êtes à combien de... Déjà, il faut dire que nous avons trois pages mobiles. Uh-huh. Connect Tech Mobile, Connect Tech SN. Uh-huh. On a Connect Tech Data Space. On peut faire un zoom sur la page, s'il vous plaît. Oui. Oui. D'accord. Donc, au niveau de Connect Tech Mobile, il faut dire que c'est le deuxième service qui a été lancé après Connect Tech Sénégal. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Très bien. Et la page est connectée à tous les sites. Oui, elle est connectée au site internet. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est une page très animée. Oui, et voilà. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a un événement ou... ici ou en dehors d'ici, on fait tout le temps des jeux où on interagit en fait avec les internautes. C'est important. Est-ce qu'il y a un autre service De Connect Tech? Oui. Préol. Un Préol. Projet de Connect Tech, oui. On y va, Préol. Est-ce qu'on va pas aller sur la page? Bon, Préol, je suis bon, Préol, ici il y a Préol. Là ça va se compliquer. Page Facebook. Non, non, page Facebook. Préol, c'est pour moi. Oui, oui, oui. Le terme Khéol, ça m'a pas tiré, je l'ai déposé. Hein. Tous ceux qui veulent vendre à travers le digital et se faire voir à travers le digital. Donc tous les commerçants, même dans l'informel. Tous ceux qui veulent se faire voir à travers le digital. D'accord, d'accord. Mm-hmm. Voilà, donc ce sera une sorte de plateforme de vente privée où ils vont à chaque fois, par exemple, toutes les semaines, une, deux fois, trois fois par semaine, proposer un prix promotionnel, un déstockage, par exemple, de produits. Mm-hmm. En tout cas, les clients devraient se retrouver sur cette plateforme quand ils ont besoin de ce genre d'avantage. Donc, ce sont des prix cassés. Tout à fait. D'accord. Et venant de. Des commerçants. Donc, on a dit déjà. On va faire on va faire un travail derrière. On va en parler un peu plus. Mm-hmm. Mais là, on invite déjà les commerçants à pouvoir intégrer ce site qui sera disponible normalement en juin. Alors que moi, si je vends mon Bissap pendant le Ramadan, j'ai la possibilité de mettre des photographies de Bissap sur le site pour dire que le pot de Bissap il est en déstockage. Venez profiter du Bissap pendant le Ramadan. Par contre, il faut que ce soit un peu formel, on va dire. Ah, mais attends, sinon, mais on va se retrouver avec une plateforme. Mais pendant le Ramadan, le produit le plus consommé au Sénégal, mais l'un des produits les plus consommés, c'est le Bissap. La vente de Bissap qui se trouve au Baoul. Aura besoin de cette plateforme-là. Pour le Bissap, il faut dire que cette plateforme. On va éviter la vérité. La vérité, voilà. Après, c'est un projet, c'est pas encore fini. D'accord. On est en gestation. D'accord. Mais, d'ici, mais ce que j'ai dit, c'est impossible. C'est possible. Oui, c'est bien possible. C'est possible parce qu'au niveau du Bissap, il y a des personnes qui ont industrialisé avec des marques. Mais donc, si vous n'avez pas de marque, vous n'êtes pas éligible. Il faudrait quand même une marque, parce qu'il faudrait qu'on puisse pour faire la promotion de votre marque aussi à travers le site. Tout à fait. D'accord, c'est important aussi d'avoir une marque, c'est important pour pouvoir se distinguer. Je vous renvoie au live de M. Beyfal qui avait rappelé l'importance d'une marque pour un producteur. Ça veut dire que toutes les boutiques
de prêt-à-porter. Exactement. Voilà. Souvent les bienvenus. Pour les bienvenus, les vendeurs de chaussures. Oui. Les vendeurs de voitures. Oui. Pour également venir sur votre route. Mais là, on nous propose que du Heol. Que du Heol. Ce sera un Heol pour les clients, ça c'est sûr. D'accord. Dernier mot, ou bien il y a un autre service à découvrir? C'est tout pour le moment. On a certainement d'autres projets beaucoup plus intéressants, comme Connected Annonce et autres. D'accord, qui vont venir après. On a beaucoup de projets pour le Sénégal. Connected, c'est une entreprise sénégalaise? Oui, initiée par les Sénégalais, tout à fait, mais qui a commencé en France en 2012. D'accord. Initiée par M. Gay, que je salue déjà depuis la France. Et déjà, depuis 2012, ils ont décidé maintenant, depuis l'année passée, 2018, février, de lancer l'activité ici au Sénégal. Du coup, nous avons mis en place tout ce qui est projet de prospection, téléphonique, physique, pour faire de la promotion pour Connected Sénégal. Donc voilà un peu Connected l'évolution. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on a pas mal d'activités et on booste notre activité tout comme pour les entreprises. C'est très bien. Et pourquoi le choix de la jeunesse? Est-ce qu'elle ne manque pas d'expérience, ces jeunes-là qui sont dans la vie? Au contraire, nous sommes la solution en fait. Nous avons idée de quoi proposer aux clients par rapport à l'ère digitale. Nous invitons aujourd'hui les Africains, on va dire, dans l'ère digitale. On est là aujourd'hui pour proposer ces solutions et de montrer aux gens, de montrer aujourd'hui les avantages du digital. Et que les jeunes sont plus aptes. Les jeunes sont plus aptes. Il y a le dynamisme. Il y a le dynamisme, il y a la volonté, il y a la persévérance derrière. Toutes ces valeurs. D'accord. Voilà la parole à Guido. Oui. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous dites aux clients? Bon. Et à tous ceux qui nous suivent. Ce que j'aurais à ajouter à tout ce que mes collègues ont dit, Connected ouvre grandement ses portes, nous vous accueillons, nous sommes à votre disposition pour tous vos besoins. Tant que nos services pourront vous satisfaire, nous sommes là pour vous écouter et vous accompagner dans toutes vos activités. So, let's go! You want to speak English? Little. Go! Go! For the Gambian, go! Go! Mr. Mbo, je vous dernier mot par rapport au service que vous nous avez proposé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites? Oui, les logiciels de gestion. Oui, les ERP. Oui, les ERP. Actuellement, vous n'avez pas. On n'a pas de nous parler des ERP. Oui. Et les gens en ont besoin. Effectivement. Parce que les ressources pour les entrepreneurs se font de plus en plus rares. Les ERP sont une réelle alternative pour pallier à tout ce qui est foncier, à tout ce qui est tâches administratives, tout ce qui est papier et tout. Avec les ERP, vous pouvez travailler grâce à votre téléphone. Vous avez votre base de données, votre rentabilité, tout ce dont toutes les ressources humaines, toute la fonction RH, les tâches administratives, tout vous gérez cela grâce à votre téléphone ou bien à votre terminal. Et bien sûr, on n'a pas parlé aussi d'un pack, le pack entrepreneur qui a été mis en place par Connected pour accompagner les entrepreneurs. Il y a certaines difficultés que les entrepreneurs ont lorsqu'ils commencent en termes de visibilité. Et pour éviter d'éparpiller ces ressources, acheter un site web ici, une carte de visite ici, une signature mail ici, une messagerie personnalisée ici. On a regroupé, oui, un logo, une charte graphique ici. On a regroupé tout cela. On a mis un pack tout en un pack entrepreneur. Et voilà. Combien? Le pack entrepreneur, c'est disponible sur le site internet si vous voulez voir le prix. Vous pouvez aller sur le site et vous allez voir. Mais c'est transparent. Et puis ça a été fait de telle manière que si vous les prenez un par un de manière dispersée, ça va vous revenir plus cher. D'accord. Donc le pack est moins, cher, naturellement, tout en. D'accord. C'est une promotion, c'est un lot que vous avez fait, d'accord. La promotion. Pour ceux la promotion de produits digitaux. Très bien. Allez-y, madame. Je dis, c'est un pack qui a été conçu pour ceux qui hésitent à se lancer par rapport au coût, par exemple. On a des prix pas chers du tout. Oui. Et on vous propose tout ce matériel. D'accord. Avec tout ce qui est papier en tête, carte de. Aussi, toujours dans le volet ERP, entreprise de source planning, il faut dire que ce sont des logiciels. D'accord. Voilà, des micro-logiciels qu'on met sur mesure à la disposition de l'entreprise. Vous les développez ici. On les développe ici aussi. Faites-moi avec Marketing TV, nous travaillons sur nos projets. Quand j'ai parlé de ça vous a fait rire.
Et moi, actuellement, je vous dis que mon combat, c'est d'aider les Sénégalaises, les ménagères, les Sénégalais des profondeurs qui se battent à l'éveil du digital. Et je vous mets en place une plateforme qui permettra à ces vendeurs de bissat, à ces vendeurs de mangue qui sont à poule, à ces vendeurs de bouillie, à ces vendeurs de Dakar de pouvoir vendre le produit depuis l'internet. Donc je reviendrai vous consulter pour le développement d'une application mobile qui permettra à la vendeuse qui ne sait pas saisir de pouvoir photographier et de mettre par exemple, je le vends à temps. Avec une voix sa photo et sous la photo un son, je clique et je vois que ça coûte combien. Un truc très simple qui permettra à une vendeuse qui n'a pas fait les bons, qui, quelle que soit sa langue, de pouvoir dire dans sa langue ce produit-là coûte ceci. Donc on va revenir peut-être pour le développement de cette solution-là. C'est ça, Arthur, donc vous avez besoin d'avoir de façon synthétique votre entreprise partout où vous allez. Un logiciel, même dans le sens de l'entreprise, de ceux qui vendent des bissaps, c'est un service sur mesure. Voilà, très minime, mais très très synthétique, qui résume de façon globale votre entreprise. Vous avez envie de vendre, vous faites la photo, vous envoyez à d'autres personnes qui, dans le même système, voient aussi la photo et savent que ça leur est adressé. Voilà, c'est pourquoi, comme M. Mbout l'a dit, le service ERP se fait déjà après un audit et on vous met maintenant le service sur mesure. Voilà. On fera tout à fait une offre même pour tous les entrepreneurs dans le sens où voilà. C'est ça. La financière, dernier mot. Par rapport à tout ce qu'on a dit. Comment faire pour les gens, qu'est-ce que vous dites aux clients pour qu'ils viennent davantage? C'était juste pour dire que n'hésitez pas à nous écrire ou à consulter le site www.connectech.sl ou le site de la téléphonie www.connectech-6-mobile.com. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter aussi par téléphone ou à venir nous rendre visite. D'accord. Merci en tout cas. Je crois que c'est fini pour ce live. Un dernier mot, c'est Marketing TV Monde, le projet que nous développons et dans lequel vous comptez nous accompagner peut-être. Alors, c'est un projet très très intéressant et qui vulgarise un peu les métiers qui se font, notamment le digital. Voilà, donc, qui permet un peu de suivre dans la transparence ce qui se fait derrière. Donc, pas de montage, juste un live. En live, oui, en live, c'est ça. Et vous avez toutes les informations. C'est ça. Pas payant, donc vous allez sur YouTube et vous. Voilà, c'est ça. Vous tapez Marketing TV. Et voilà, vous y êtes. Voilà, Marketing TV qui sera bientôt. Dire aussi merci à Marketing TV. Merci. C'est un projet vraiment intéressant parce qu'ici en Afrique, on ne tient pas compte trop du marketing. Or, parlant de marketing, on tient compte du marché. Oui, c'est ça. Pourquoi les pays occidentaux connaissent mieux notre marché? C'est à partir du marketing. Tout à fait. Alors, à travers cela, nous sommes là, nous la jeunesse, pour mieux comprendre tout ce qu'il y a du marketing et savoir comment toucher la clientèle. En tout cas, j'ai lu la bravo de Marketing TV. Merci. Et on est là aussi toujours dans le même projet pour booster votre activité. Voilà, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous remercions et on va se quitter avec notre musique de Baba Mal toujours. Nous sommes fidèles nous à Baba Mal. Merci à vous. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. Nous avons passé de bons moments avec l'équipe de la jeune équipe, oui. La dynamique équipe de Connectech Sénégal. Et il faut préciser que c'est pas que ça. Voilà, on a une équipe derrière, une grande équipe derrière. C'est vrai. Il y a des gens qui sont en train de prendre la pause aussi. Oui. Nous sommes venus en train de la pause. Voilà. Également, c'est une particularité de cette entreprise. Même pendant la pause, les gens sont disponibles. C'est bon? Oui. Désormais, entre Marketing TV et Connectech, c'est la connexion. Bien sûr. Il n'y aura plus de déconnexion. Tout à fait. C'est bon.